I'm going to see the Nets. Je suis super contente. Vous avez pas idée. Allez, on y va. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cet épisode un peu spécial de mon petit séjour à New York. En effet, ce soir, c'est un grand soir parce que la raison pour laquelle je suis ici a lieu ce soir. Donc ça va intéresser garçons comme filles et j'espère que ça vous plaira. Alors ce soir, j'assiste enfin à un match NBA et je vais assister au match des Brooklyn Nets contre les Miami Heat. Ça sera ce soir au Barclays Center et j'ai plus ou moins... Let me say... Et 7h17, donc j'ai plus ou moins 1h30 pour pouvoir m'y rendre. Donc avant ça, je vais m'amuser un peu, sortir un peu. Et à partir de 18h30, je me rendrai sur place. Je vais vous montrer tout. De l'entrée, enfin, du trajet, jusque l'entrée, jusque la nourriture, le match en lui-même. Et je vous donnerai mon impression de cette expérience en fait, qui sera incroyable. Ceux qui me connaissent savent que je suis une très grande fan de basket. Et la saison 2021-2022 vient de commencer. Elle a commencé le 19, donc le jour où je suis arrivée aux États-Unis. J'ai eu le temps de regarder un petit peu les matchs, etc. Et que les Nets de cette année sont une des équipes les plus attendues au tournant concernant le championnat. Donc j'espère voir du beau spectacle, du beau match, du joli basket, éventuellement une apparition magique de Kyrie Irving, ça serait vraiment intéressant de voir ça. Mais avant tout ça, je vais bien évidemment vous montrer en espérant que ça vous plaira et n'hésitez pas à regarder la suite de cette vidéo. So, il est 17h30 et je vais prendre le métro, je suis au niveau de Times Square. Je vais prendre le métro direction Brooklyn, je vais traîner un petit peu là-bas et puis de là, je me rendrai au Barclays Center. A plus! Et je me suis dit que pour avoir marché de Brooklyn Heights jusqu'au Barclays Center, je n'ai pour plus ou moins 30 minutes. Donc je vais profiter pour marcher, voir un petit peu le coin. Et dans 35 minutes, bah, j'arriverai plus ou moins à Barclays Center. Arrivé au Barclays Center. I'm different.
checké, on rentre. Avant le début du match, il nous rappelle qu'on doit porter le masque, ne pas vacciner. Moi, je suis vaccinée, donc je reste sans masque personnellement. Et you can see les joueurs sont en train de faire leur entraînement, en train de s'échauffer tranquille. Bah, puis y a Blake Griffin. Where is Kyrie? Je sais qu'il est pas là, mais j'ai besoin qu'il soit là en fait. J'ai envie qu'il fasse une apparition. J'ai envie qu'il dise ouais, fuck you niggas. Excusez-moi du terme. Et genre, ils viennent jouer. Sorry. Everybody else. Non, on est à l'église ou quoi?
Defense! 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 Ouh! Let's go, let's go, guys! Let's go, rebound! On y va, on y va! Let's go! Come out! Let's go, let's go, let's go. Oh no! I made a good job, good job. Look at Jay-Z. Là, il y a un petit jeu là, time out. En fait, on m'a demandé. Le mec derrière même m'a demandé si je voulais faire un jeu et tout sur Brooklyn, mais je connais pas Brooklyn, maman. J'aurais pu être une star. And then he jumps. Whoa, no, that's painful. Kai, come on, come on. Ça va aller, chérie. Ça va aller, moi. Ça va aller, baby. Okay, let's go. On a repris le lead. On a repris le lead. Let's go, let's go. Let's go Nets! Let's go Nets! Regardez le clock, timer, timer, timer. Let's go! Shoot the ball! No! Vite, vite, vite! Oh, miss! Non, non! Putain! Putain, tu me défies, il reste 4 secondes, il faut aller chier! Wow! Allez, 1 second left, 1 second left! We have 1 second left. C'est pas DJ Academics avec lui là? Ok. Ok. Ok, girls. Review the image. Oh non, mais en vrai, en vrai, en vrai. Bah, j'en ai plein. J'en ai plein là. Je vais les ramener à la maison. On va ramener à la maison pour la famille. Wow, wow, wow.
come on, 2 seconds, shot, shot, shot. Oh. Defense. Defense. Come on, come on, come on, come on. Shoot, 12 seconds, 6, no, 11 seconds. Everybody. Come on, come on, come on, come on. 3, 3, 3, 3. Woo! Woo! C'est encore lui. Toujours lui. Yes. Le match. De jouer à ce jeu là, mais vu que je connais pas Brooklyn, je peux pas me permettre de répondre. Babs people are helping the girl. Okay, she's going with three races, she's doubling down, and the answer is. What is it? We got one more. What are you gonna do? Shake it off. Oh, they're up there. Brooklyn's official model is. Yeah. Is it A, happiness, B, strength, or C, pride? Unity makes happiness, unity makes strength, or pride? Okay. She says strength, the answer is... Strength! Okay. Jack Carlo est juste là. Le mec il a trop. Ok. Wow. On the lead, set it up. I started on the left and I take it, take it. I'm too excited. Sorry. Come on. Ah, I missed it. Ah! Time out. Time out. Plus 10 à 2000. Oh bon bah on est foutu là. Ah. Bon bah c'est triste hein, on va perdre hein. À part si on ne met que des 3. Tirez, tirez. Come on. C'est un truc de malade. J'arrête de filmer, ça m'a saoulé. Les gens sont en train de partir. Like, who are these people?
50 secondes. 191, on est foutu, on a perdu. Hein. Les gens partent. Les gens partent, mais that's life. Mais c'est la vie, c'est la vie. Everybody's here. Let's go. It's time for me to go home. Ok, bon bah c'est fini. Je viens de passer une soirée incroyable. Mais vraiment incroyable, vous n'avez pas idée. Oh, le métro est là. Sorry, I have to run. Coucou, je viens de rentrer du match, je suis arrêtée aussi pour manger une pizza et je peux vous, enfin je vous cache pas que je suis fatiguée, mais j'ai passé une bonne soirée, elle était tellement incroyable cette soirée que je me souviendrai toute ma vie. Expérience NBA, c'est quelque chose de ouf, même si c'était compliqué pour moi de trouver les billets parce que je voulais m'asseoir un peu en placement, mais les prix étaient super élevés. Enfin bref, c'était un peu compliqué de trouver les places que je voulais, mais au final j'en ai eu une place super. L'arrivée elle est vraiment tranquille, je pensais pas qu'il fallait qu'on pouvait arriver même pendant le match, enfin, je pensais qu'il fallait arriver en avant. Arrivé à 18h40, le match a commencé à 19h30 et franchement c'était super smooth, super lisse, on te contrôle à l'entrée, il n'y a pas énormément de queue, enfin, c'est vraiment très très bien organisé. Ensuite bah, l'accès à l'arène incroyable, c'est vraiment un truc de malade, c'est vraiment cool aussi, c'est des interactions qu'il y a avec les gens. Après je sais pas si c'est l'effet de groupe, enfin le fait d'être tous là pour la même raison, ou c'est aussi le fait d'être seul on va dire qui fait que bah, j'interagis beaucoup plus avec les gens. Au début du avant même que le match commence, j'ai été interpellée par un homme qui s'appelle Q et qui m'a demandé ouais qu'est-ce que tu fais là, c'est pourquoi tu es toute seule ici et tout, t'es une top modèle ou quoi, t'es trop belle, enfin bref, m'a complimenté, blablabla, merci. Mais voilà, on a échangé, il m'a donné ton Instagram, j'ai échangé aussi avec un homme qui était juste en face de moi, j'ai oublié son nom mais il ressemblait trop à Jojo de KCN Jojo. On avait échangé, on a parlé, etc. Il est aussi seul et puis j'ai échangé avec des petits, enfin bref, j'ai échangé avec plein de gens. Mais ouais, sinon on a perdu, c'est dommage, c'est dommage. Ça avait bien commencé pourtant, bon le match était assez serré et on a tellement de tirs. Je vous jure, j'étais énervée. Mais je suis contente d'avoir vu Blake, Kelly, James, LaMarcus. Et qui encore J'ai vu Jay-Z de mes yeux. J'ai vu Jay-Z, il y avait qui, Wale, j'ai vu Wale de mes yeux, et Jake Harlow. Donc franchement, c'était une super bonne expérience. J'ai ramené avec moi, tu m'avais donné tant de petits ballons là qu'on utilise pour taper. Et j'en ai distribué pas mal, mais il m'en restait plein. Donc je vais les ramener à mon frère et à mes petits cousins, mes petits neveux s'ils sont intéressés. Et enfin, on m'a aussi proposé de participer à un jeu sur Brooklyn. Ils disent, on cherchait des filles pour participer au jeu. Malheureusement, je suis pas de Brooklyn, donc du coup, j'allais m'afficher. Ils ont bien fumé mon visage là. Bref, expérience NBA à vivre. Je recommande vivement. Je recommande vivement. Et go Nets. Let's go Nets. Faut qu'on gagne cette année. Cette année, on gagne. Si c'est pas nous, ce sera les Warriors. Si c'est pas les Warriors. Je ne sais pas ce sera qui, mais je veux pas que ce soit les Lakers. Et je veux pas que ce soit le Heat, même si j'ai un maillot du Heat. Bref. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, j'ai kiffé l'affaire. En espérant que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, tout ce que vous voulez. Et puis, je vous dis à la prochaine. Mouah.